Buñu jaar ku fa jaar tak ban ki ñu ar ko mu ar nga guddu fan suñu mission moy jollof tartan loxo ca kaw bone waaw staring at the goals you must achieve for you don't let nobody breathe no matter how hard it is bear it if you believe stand up on your feet you have to do it your weak point don't let them know oh in this year where the weak is always wrong wrong oh no better remain strong Dara J from Senegal Le rap est né en Afrique et qu'il a grandi aux États-Unis à l'image de la Zulu Nation, d'Africa Bambata, de tout ça qui au départ du rap se voyait obligé de revenir en Afrique et de puiser dans la culture africaine pour voir c'était quoi la source de la musique qu'ils étaient en train d'incarner. Cette musique-là, elle est venue de leur origine africaine, donc du griotisme. Parce que l'art de la parole, c'est le griotisme. C'est pour cela que nous, Dara J, par exemple, dit que le rap est né en Afrique, qu'il a été déporté à travers les caravelles pour grandir aux États-Unis et que maintenant il revient à la maison parce que c'est comme un boomerang qu'on lance et qui revient à la maison. Parler des droits de l'homme et surtout parler de la conscientisation ici en Afrique et dans le monde, c'est une chose qui nous importe en tant que rappeur. Parce que pour nous, le rap est une mission. Et donc, je suis là pour la mission. Aujourd'hui, les jeunes de Dakar, de Conakry, ou bien de Lagos, ou bien de Libreville, se comprennent sur un rythme, sur un son hip-hop, les jeunes se comprennent. Et ça, c'est magique. Nous sommes des milliers à quitter nos pays, à la recherche de la terre promise. Nous sommes des milliers à quitter nos pays, à la recherche de la loi dans la vie. Nous sommes des milliers à quitter nos pays, à la recherche de la terre promise. Nous sommes des milliers à quitter nos pays, à la recherche de la loi dans la vie.